Allez, on y va, on y va. Et bonjour tout le monde. On est là, on est reparti pour un petit tour simple, sympa. J'ai jamais fait à personne d'autre. Je vais voir si ça marche avec Jérôme. Jérôme, dedans j'ai une carte, ça c'est des Jerry Nuggets rouges, mais j'ai une carte Jerry Nuggets bleue. D'accord. Il y a des instructions à l'intérieur, au moins elle est là. Je vais te demander de couper, d'en prendre une au hasard. Donc si tu tombes sur ma Jerry Nuggets bleue, tu la prends pas, t'en prends une autre. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis bleu, comme ça on est sûr qu'il va pas la prendre. Okay. Et en plus, il va la prendre et il saura pas ce que c'est puisqu'il y a une instruction. Donc tu coupes, en haut, en bas, tu coupes, allez, et tu prends une carte. Je peux pas savoir où tu vas couper, même si c'est dans je une coupe, heure. Tu prends, prends ta carte et tu recomplètes ta coupe. Là, c'est le hasard. Entièrement. Montre-la à tout le monde. Même si je la vois, c'est pas important, mais je préfère ne pas la regarder. Voilà. De toute façon, les instructions sont écrites. Et si tu coupes et que tu la mets et que tu refermes, c'est le hasard. Ah, tout à fait. Donc voilà, tu vas couper le jeu ici. Vas-y. Tu vas mettre ta carte. Et tu vas la perdre n'importe où. Hasard, hasard. Donc on se rappellera à la fin du tour que cette carte, elle a été choisie n'importe où et jetée n'importe où. C'est pas faux, ouais. C'est vrai. Ouais. Et t'aurais pu la mettre une carte de moins, une carte de plus. En tout cas, oui, la position, elle est effectivement, dans une position aléatoire. Elle est là. Instruction. Il n'y en a pas d'autres, donc du coup. Non, il n'y en a pas d'autres, tu pourras regarder à la fin. On lit les instructions. Donc effectivement, des instructions. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, enfin si, à part la première, choisir un nombre entre 10 et 20. Donc tu vas choisir un nombre entre 10 et 20, mais moi, avant, je te dis que mon chiffre à moi, c'est 10. D'accord. Donc tu prends, si tu veux 10, mais prends autre chose que 10, parce okay. que c'est le mien. Tu peux 11, 12, 13, t'as le choix. Hein. Je ne veux pas le savoir. Alors, il n'y a pas marqué sur la fiche, je vais te le dire verbalement. Tu vas additionner les deux chiffres de ce nombre. Donc si c'est 12, ça fait 2 et 1, 3. D'accord, ok. Donc j'ai choisi, ok, je sais ce que j'ai choisi. Tu as fait la soustraction ? Tu as fait l'addition ? Ça y est, j'ai fait. Montre-leur le chiffre. Montre-leur le chiffre. Avec tes deux mains, si. Oui. Oui, on va faire ça comme ça. C'est bon ? Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, t'as un chiffre maintenant. Oui. Il te dit quoi sur cette carte ? Alors, deuxième instruction, additionner à 10. Donc 10, c'est ton... C'est mon chiffre, tu additionnes avec ton petit chiffre que tu as de nouveau. Ce qui est bien, c'est que c'était noté avant, donc il n'y a pas de souci. Donc je sais combien ça fait, tout à fait. Combien ? Ça fait 19. On va poser 19 cartes. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Suivant le chiffre, ça aurait pu faire une de moins, une de plus. Celle-là, c'est plus la même. Tout à fait, je suis d'accord. Donc celle-là, c'est le hasard. Qui c'est a vrai. Été fait par rapport à ton chiffre, qui aurait été peut-être 19, c'est-à-dire que tu as choisi 9, ton chiffre. Tu as additionné, ça fait 9. Ah ben oui, tout à fait. Tu aurais pu faire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, des cartes, et il y en aurait pu avoir beaucoup là-dedans. Tout à fait. Il te dit quoi d'autre ? Soustraire de 10. Donc, ton petit chiffre, c'est 9, maintenant je le sais, tu le soustrais à 10. Il reste Moins 1. Ça fait ? Ben, moins 1. 10 moins 9. Ah, 10 moins 9, ça fait 1. 1. Ok. Mais si je soustrais 9 de 10... Oui. On est bon ? Ok. Ah, tout à fait. Celui-là, c'est au hasard. Celui-là, c'est le hasard. Et en fonction de celui-là, c'est encore le hasard celui-là. Tout à fait. Il y aurait eu 2 cartes, ou 3, ou 4, ou... Ouais, je suis d'accord. Donc ça, te rappelles moi, j'avais dit quoi, 10 ? Oui. Ah bah tiens, il y a un 10. Ah, j'adore les mathématiques. C'était quoi, la carte que t'as choisie ? La carte que... Non. Le nombre, c'était pas 9. Mon nombre, c'était 9. Oh ben, petit 9, de cœur. Elle est belle, celle-là. Je vois la suite. Donc, c'était quoi la carte que t'as choisie ? Tu l'as montré à tout le monde ? Ah oui, ben en plus c'est une coïncidence. C'est la même qui est sur l'instruction. D'accord. Bah c'est l'as de pique. C'est une coïncidence ? Ouais. Ah d'accord. Autrement ça serait fort. Ah, l'as de pique. Là c'est joli. Fort. Joli. Alors, rappelle-toi celle-là déjà. Hop, n'importe où. Comment elle se retrouve ici ? Surtout que t'as dit un chiffre au hasard.
celle-là, n'importe où, bim. Et t'as dit qu'à la fin je pouvais examiner le jeu. Oui, ça c'est un détail. Un détail. Les instructions, c'est jamais. Regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Pardon. Hop là. J'ai vu qu'il y avait rien. Tu peux faire les regarder une par une. Ce que tu veux, je m'en fous. Et ça aussi, tu peux les examiner. Y a pas des cartes doubles. Y a pas des. Non, ça va. Non mais de toute façon, regarde, je t'explique le début, faut qu'on s'en rappelle. Je prends une carte, voilà, tu as une, et je la perds. Pim bam, perdu. Elle se retrouve là. C'est joli. La coquine. C'est joli. De cœur. J'adore. C'est joli parce que ça fait réfléchir. De toute façon, je vais vous dire un truc. C'est joli. Si je veux bluffer Jérôme, je peux pas lui faire des tours avec des Hemsley, des machins, des bidules, parce qu'à chaque fois qu'il voit un tour qui sort chez Murphy, n'importe où, ça fait 3 secondes, boum, j'ai compris. Il n'y a pas d'autre tour que je puisse faire pour pouvoir essayer de lui faire travailler son cerveau et qu'il dise sur le moment, ah, j'ai une idée, je sais pas. Il peut avoir des idées, mais il sera jamais sûr. Sur le moment. C'est sûr que sur un tour comme ça, c'est... Et que ce soit Jérôme ou n'importe quel autre magicien, c'est comme ça. On peut pas le bluffer quand c'est automatique. On peut que le bluffer quand c'est automatique. Maintenant, je prends une carte, je fais un Hemsley, elle disparaît. C'est joli, voilà, t'as la routine est jolie, tu l'as bien montée. C'est beau. Mais c'est dur à monter là. Ben ouais, c'est vrai que parce que si j'avais coupé pas beaucoup de cartes. Non, mais c'est pas ça, c'est que après, tu choisis un chiffre au hasard dans ta tête. Mmh. 17, 11, 10, 12, 13. Ouais, t'aurais mis plus de cartes. Donc comment ça se fait que ma carte serait retrouvée ici? C'est, ouais, encore un truc de... Que tu coupes, ça s'additionne, ça se met tout seul. C'est fort, non mais c'est très fort. Hein. Tu vas me dire, oui, même si ma carte clé, plus ou moins, elle pourrait m'aider, si tu appelles ça une carte clé. Mais est-ce... Est-ce que, c'est pour ça que j'en parle, est-ce que je ne l'ai pas mis exprès pour embrouiller, pour faire partir sur mauvaise direction? Parce que celle-là, j'aurais pu la mettre là, pourquoi je l'ai mis là? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est fait pour embrouiller? Parce que j'ai fait des gestes qu'on voit tout, hein, donc ça tu n'en as même pas parlé, mais ça peut pas... Même si je coupe là, parce que j'en ai envie, ta carte elle est perdue. Non mais c'est sûr, puis de manière, même que... On s'en fout. Même que tu sais que ma carte, on s'en fout. Elle est en troisième. Tu le sais. Qu'est-ce que t'en sais que moi, je vais choisir... 13, 14, 12... Et ouais. Parce que si tu fais ça, elle est là. Non, beau petit tour. Non, c'est... Ben là, non, mais comme ça, c'est sûr qu'à réfléchir, c'est... Je vous dirai dans... Faudrait que je le fasse plein de fois. Dans le texte de qui c'est, parce que je me rappelle plus. Après, on rajoute des choses, mais il y a toujours une base. Oui. Une carte. Tu coupes n'importe où. Tu coupes. Je la remets là. Donc là, par contre, elle est dessus. Mais c'est sûr que tu sais pas combien j'ai coupé, là. Et bon, là. Allez, explication. Faire un peu vite. Non, comme ça, là, non. Faut que je cherche. Allez, tu peux couper. Il faut que je cherche. Mais ouais, c'est belle petite coïncidence.